Yo les potes, c'est Dépi. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous m'entendez bien. C'est la première fois que je fais une vidéo sur ma chaîne avec un PC portable. Parce qu'avant je filmais avec mon téléphone portable. Donc normalement il ne devrait pas avoir de lag pendant la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et nous, on commence c'est la vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire voir ma maison que je n'ai pas fait tout seul, en fait, que je n'ai pas créé tout seul. Parce que oui, on se retrouve sur Bloxburg. J'ai pris un tutoriel de maison pour créer ma maison, tout simplement. Mais les meubles qui sont à l'intérieur, c'est moi qui les ai placés moi-même, en fait. Ce n'est pas le tutoriel. Parce que j'ai trouvé que les meubles, ils n'étaient pas très jolis, tout ça. Du coup, j'ai préféré faire à ma manière. Donc, voilà la maison dans 1, 2, 3. Voilà à quoi elle ressemble. Est-ce que vous la trouvez jolie? Dites-moi dans l'espace commentaire. Oui, il y a aussi des lumières automatiques, voilà. Donc, voilà. Hop. Voilà à quoi ressemble la maison. Voici le salon. Moi, le salon, je le kiffe. Avant, les canapés, je les avais mis rouges. Mais j'aime pas trop rouge. Du coup, j'ai changé. Là, pour mettre un peu de musique et tout. Parce que oui, j'ai tous les game pass du jeu. L'ascenseur, il n'était pas dans le tutoriel. Les fenêtres là n'étaient pas dans le tutoriel non plus. C'est moi qui les avais rajoutées. Ici, on peut remonter et tout. On va monter juste après. Je vais vous faire voir. Ici, il y avait un piano, mais j'ai préféré mettre une petite salle de musculation, tout ça. Ici, c'est ma petite cuisine. Alors, la petite cuisine, c'est l'idée du tutoriel, mais ce n'est pas la même couleur non plus. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis des petites caméras de surveillance aussi. Moi, j'aime trop. Ici, c'est le coin pour manger, tout ça, en famille. Ici, il y a les petits escaliers, tout ça, il y a l'ascenseur. Ici, c'est la salle de bain. Voilà, une petite salle de bain. Ensuite, là, on peut monter et on va monter par l'ascenseur. Voilà. C'est vrai que c'est tellement plus simple de faire sur téléphone les vidéos. Par contre, tout ce qui est montage, tout ça, c'est une vraie galère. Du coup, je préfère faire tout sur mon téléphone, question d'habitude. Hein. Donc, voici la petite chambre, voilà, gaming, enfin, ouais, si on veut. Je l'ai fait, je l'ai rempli à ma manière. Les dimensions des chambres aussi, ça fait partie du tutoriel de la maison. Il faudrait que je vous mette le lien de la vidéo du tutoriel de ma maison pour que vous aussi vous la fassiez. Mais elle coûte un peu cher quand même, je trouve. Parce que les factures, ils sont très élevées. Mais ça, vous vous en doutez bien, je pense. Attendez, comment on fait? Parce que moi, en fait, c'est la première fois que je joue sur PC. Je fais des vidéos sur mon PC. Donc, elle coûte 260 368 $, valeur de la maison estimée. Donc, elle est quand même très très chère pour une mini villa entre guillemets, parce que oui, moi je considère que c'est une mini villa. Donc voilà, ici c'est tous mes trophées, comme vous pouvez le voir. J'ai mis le créateur sur la petite étagère qui est là. J'ai mis le créateur dans un petit cadre photo. Donc en suivant, aujourd'hui je n'arrive même pas à me parler. Donc ici, c'est une chambre que j'ai fait comme ça, une chambre d'ado, mais la couleur ne va pas du tout. Il faudrait que je change la couleur. Au suivant encore. Ici, il n'y a rien du tout, je vais pas vous faire voir plus que ça. Hein.
Il n'y a rien. J'ai pas eu le temps de mettre des meubles. Donc, voilà. Ah oui, je vous ai pas fait voir, les amis. J'ai aussi une caméra de surveillance. Attendez. Hop, on va sur l'ordinateur. Parce que, voilà. On va sur l'ordinateur. Les caméras de sécurité. Voilà. Ici, il y a le salon. Parce qu'il y a plein de caméras, en fait. Ça m'a coûté une blinde, du coup, pour mettre placer toutes ces caméras. Le salon. Il y a, l'entrée de la maison avec la voiture et tout. Là, c'est la caméra de la sonnette d'entrée de la porte que je trouve super cool parce qu'en fait, on voit les gens qui sonnent. Enfin, quand on sait qu'il y a des gens qui sonnent à la porte, bah, on peut voir avec la caméra qui est à la porte sans qu'on soit devant. En fait, suivante, là, c'est l'entrée, bah, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. L'entrée des marches et tout avec la chambre d'ado, avec l'ascenseur qui est au bout et mon bureau où je regarde les caméras de surveillance. Ici, c'est la cuisine. Voilà. Et puis c'est tout. Après. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo de présentation de ma maison Bloxburg vous aura plu. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo. C'était Dubi. Ciao.